السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرعون کا Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, j'ai l'espoir de terminer le récit de la lutte entre Pharaon et le prophète Moïse. À ce sujet, je n'ai pas trouvé des réponses décisives concernant toutes les questions qui ont été posées à ce sujet. Il n'y a pas de réponse décisive à ce sujet. Cette voie est toujours ouverte pour les chercheurs. Et la plupart de nos chercheurs dans le passé se sont arrêtés aux commentaires, aux exégèses du Saint-Coran. À savoir que dans tel commentaire, il y a ceci ou cela. Alors que dans les commentaires, il y a aussi des hadiths qui sont authentiques. Il y a des récits authentiques, certes, mais il y a aussi des faits qui ont trait aux enfants d'Israël, des récits israélites, c'est-à-dire des récits qui ont été colportés par des enfants d'Israël et qui sont tombés dans les oreilles des musulmans. Si l'on rapporte ces récits tels quels, tels que les ont racontés les enfants d'Israël, cela ne veut pas dire que tel était exactement le point de vue du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne pourra pas dire non plus que tel était le point de vue de ses compagnons. Il y a aussi des choses futiles dans ces récits, des faits que l'on ne peut accepter en aucune manière. Aucune personne de bon sens ne pourra accepter cela comme des miracles ou comme des faits ayant trait à l'expérience humaine. On a présenté certains de ces récits, mais ces récits, on ne peut les accepter. Mais ces récits sont monnaie courante. Il serait erroné de tirer la conclusion que si l'on trouve mention de ces récits dans les recueils de hadith et que l'on a pu retracer ces récits jusqu'au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ou que ces récits ont été retracés jusqu'aux compagnons et que l'on doit accepter cela. On ne peut pas accepter ce postulat. J'ai parlé à ce propos dans le passé et il est important de regarder les témoignages internes. Si le témoignage interne est le témoignage du Saint-Coran et la biographie du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous présente ces faits, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et le caractère du saint prophète Mohammed paix soit sur lui ne peuvent être séparés. Ce que l'on trouve mentionné dans le Saint-Coran a été mis en pratique par le saint prophète. Le saint prophète est le Coran personnifié. Voilà donc le point décisif. S'il y a quelque chose qui contredit ces principes ou qui contredit un autre verset du Saint-Coran ou un hadith, même si ce récit a une chaîne de transmission qui est saine, on ne peut que tirer la conclusion qu'il y a eu un malentendu quelque part dans la chaîne de transmission. Le rapporteur a mal compris ce qui a été rapporté, ou que ces récits font partie de ces histoires colportées par les enfants d'Israël. Il n'était pas interdit de rapporter les histoires des enfants d'Israël, mais ces histoires n'ont pas autorité. À l'époque du Messie premier l'Islam, nous trouvons mention de certains faits qui peuvent être en accord avec la science de l'époque. Mais il serait tout à fait erroné que de condamner quelqu'un si une personne essaye de corriger ses faits à la lumière de la science. On ne pourra pas condamner cette personne en disant qu'elle est en train de contredire le Messie premier l'Islam. Si le Messie premier l'Islam a accepté ces récits, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'autres récits, ces récits qui ont été colportés dans les tafsirs,
Il a présenté certains faits en se basant sur ses commentaires. Et par la suite, les recherches ont prouvé autre chose. Et si un Ahmadi ayant le comportement d'un mollah est en train de dire que vous êtes en train de prouver faux le Messie promet l'islam, si on accepte sa conclusion, eh bien on va attribuer la même chose au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. C'est pour cette raison que je suis en train de vous avertir. C'est-à-dire, vos commentaires doivent être respectueux. Vos commentaires doivent être en accord avec la logique, à savoir qu'il y a cette possibilité que le prophète de Dieu ou que certains de ses suivants aient accepté certains faits qui étaient présents à l'époque. Parce que ces personnes avaient entendu que ces récits et que ces personnes n'avaient pas trouvé d'autres témoignages pour contredire ces premiers récits. Ce n'est pas un péché d'accepter ces récits en toute innocence. Mais on ne peut pas dire non plus que ces récits sont tout à fait authentiques. Je cite à ce sujet le livre du Messie premier l'Islam, Brahni Ahmadiyya. Dans ce livre, il a évoqué le sujet de faire naître la vie des morts, c'est-à-dire de faire sortir la vie de la mort. Il a parlé à propos des croyances hindoues et à ce sujet, il déclare qu'on en fait le témoignage quotidiennement. Nous voyons la vie sortir de la mort quotidiennement. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas dire que la vie ne peut pas sortir de la mort. Selon son témoignage, il dit qu'après des pluies diluviennes, sur une terre qui était auparavant stérile et sèche, eh bien, sur cette même terre, après la pluie, on voit des insectes grouiller partout. On voit aussi des grenouilles, alors que ces grenouilles n'étaient pas présentes auparavant. Si la vie ne peut pas sortir de la mort, eh bien, qu'est-ce cela ? Dit le Messie promis, alayhi salam. Le témoignage qu'il a présenté est certes vrai. Ce témoignage est authentique, mais à l'époque, la science n'était pas parfaite et on n'avait pas publié tous ces faits. Et le Messie promet l'Islam n'avait pas entendu parler de cela, à savoir que cette vie qui sort de la poussière, eh bien cette vie se trouve à l'intérieur de cette poussière, dans la forme de semence ou sous différentes formes. Et c'est cette semence qui prend vie. Ainsi, ce n'est pas la mort qui donne naissance à la vie, mais cette semence de la vie donne naissance à la vie. Voilà donc un exemple que je voulais citer. Quel est le point de vue des oulémas à ce sujet? Est-ce qu'ils vont dire que tous les scientifiques sont des menteurs? Et est-ce qu'on va rejeter ces vérités indéniables, à savoir que l'eau fait sortir la vie de la semence de la vie? S'il n'y a pas trace de vie, quelle que soit la forme, eh bien nous n'allons pas voir cette vie sortir. Voilà ce que nous avons vu depuis le passé. Voilà aussi pourquoi la science est dans le désarroi quand il n'y a pas une preuve. Il n'y a pas une seule preuve que d'un seul coup, alors qu'il n'y avait pas trace de vie, la vie commence à exister. Et puisque la vie existe, c'est aussi certain que la vie n'existait pas auparavant. Parce qu'auparavant sur Terre, il n'y avait que du feu, il y avait une atmosphère empoisonnée. Il y avait aussi des gaz nocifs. Mais petit à petit, la Terre s'est refroidie. Et petit à petit, il y a eu la possibilité de l'existence de la vie. Et cela s'est fait après des millions d'années. La preuve du Messie premier al-Islam n'est pas basée sur ce témoignage, mais en fait, il en est ainsi. Et les gens ne comprennent pas que lorsque nous sommes en train de faire ces commentaires, nous ne sommes pas en train de contredire le Messie premier al-Islam ou que nous sommes en train de rejeter ces faits. Au contraire, nous sommes en train de présenter des arguments qui n'existaient pas à son époque et que nous avons reçus aujourd'hui. Dire que les arguments qu'il avait présentés dans leur forme n'étaient pas exacts n'est pas manque de respect. Cela ne veut pas dire qu'on est en train de le rejeter. Cela ne veut pas dire non plus qu'on est en train d'affaiblir son point de vue. Au contraire, nous sommes en train de renforcer davantage ses arguments.
puisque la vie n'existait pas. Les scientifiques eux-mêmes disaient que pour avoir la vie, il faut qu'il y ait une forme de vie latente. Mais à l'époque, il n'y avait aucune forme de vie. Mais ils voient que la vie commence à fleurir et que la création commence à exister. Seulement, c'est une preuve de fidélité que de renforcer le point de vue du Messie promis l'Islam et de renforcer sa mission. Ainsi, selon moi, c'est une preuve de fidélité à l'égard du Messie promis alayhi salam. Mais selon certains oulémas, na'udhu billah min dhalik, nous sommes en train d'outrepasser les limites fixées par le Messie promis alayhi salam. Dans le même contexte, il y a l'histoire du prophète Yahya, le prophète Jean. Nous trouvons des témoignages en notre faveur dans les écrits du Messie promis alayhi salam. À propos du prophète Jean ou Yahya, à plusieurs reprises, le Messie promis alayhi salam a même écrit que le prophète Yahya a usé de paroles virulentes et c'est pour cette raison qu'il a été décapité et sa tête a été présentée. C'est un récit que je vais vous présenter pour vous faire comprendre ce principe. Il est important de le faire parce que aujourd'hui, il y a des rapports et des récits concernant Haman, concernant Karun. Il y a de tels récits qui nous ont été envoyés par des personnes qui disent que ces récits ne peuvent être acceptés, mais nous vous avons envoyé cela afin que vous puissiez tirer votre propre déduction. C'est pour cette raison que j'ai pensé qu'il vaut mieux que je présente mon point de vue concernant les récits du Messie promis l'Islam. Ce qu'a dit le Messie promis l'Islam concernait un débat. Le Messie promis l'Islam parlait avec une personne qui avait lancé des attaques odieuses à son encontre. Cette personne a dit au Messie promis l'Islam que vous êtes en train de proférer des paroles insultantes, blessantes, que vous êtes en train de proférer des insultes et vous vous dites être un prophète. On a lancé de temps en temps de telles attaques dans le passé comme on le fait aujourd'hui. Le Messie promis alayhi salam a dit à son adversaire que, selon votre point de vue, eh bien, on va dire que le prophète Jean a proféré des paroles injurieuses et il a proféré des paroles insultantes et en fin de compte, il a été décapité et sa tête a été présentée sur un tableau. Allez-vous accepter ce comportement? Puisque son adversaire honorait le prophète Yahya ou le prophète Jean, cette personne fut fortement blessée et a commencé à objecter à ce sujet. Et les Ahmadis, dans leur innocence, ne comprennent pas ce point de vue, à savoir que c'est là un débat qu'on est en train de faire comprendre à l'adversaire par la même méthode que celui-ci a utilisée à l'encontre du Messie promis alayhi salam. C'est-à-dire que si cette méthode que vous avez utilisée est bien séante, eh bien, nous allons devoir dire ceci à propos du prophète Jean. Si après ces propos du Messie promis alayhi salam, on accepte que le Messie promis alayhi salam a prouvé que le prophète Jean a été décapité et que sa tête a été placée sur un plateau, eh bien, ce sera là une atteinte à l'honneur du Messie promis alayhi salam. Alors que ailleurs, le Messie promis alayhi salam a déclaré que selon moi, on n'a pas prouvé qu'un seul prophète a été tué. Si cela n'a pas été prouvé, pourquoi est-ce qu'il a usé de tels propos virulents concernant la mort d'un prophète? C'est là encore une fois une incompréhension à ce sujet. Dans ces hadiths, il y a ces récits concernant les enfants d'Israël. Ce sont des récits que l'on présentait et des récits qui sont monnaie courante. Accepter ces récits pour répondre à des attaques de l'ennemi ne prouve pas que tel était le point de vue du Messie promis alayhi salam. On ne peut pas dire avec certitude que tel était ce point de vue. On ne peut pas dire avec certitude que tel était son point de vue. En lisant les ouvrages du Messie promis alayhi salam, il est important de comprendre cela.
Il y a tout d'abord la guerre qui est faite par l'épée. Il y a aussi la guerre faite par la plume. Et dans cette guerre ou dans cette bataille faite par l'épée, on répond aux attaques de l'ennemi de la même manière. Et on écrase avec plus de virulence l'ennemi le plus acharné. Le Messie, premier l'Islam, a fait ce djihad par la plume. Et ainsi, on voit cet aspect virulent, à savoir qu'il a répondu aux attaques des ennemis de l'islam par les mêmes méthodes qu'ils ont utilisées pour attaquer l'islam. Mais l'on ne voit pas dans ses attaques sa vraie nature. L'on ne voit pas sa vraie personnalité. Cette nature, cette personnalité qu'il démontre lorsqu'il est en train d'accomplir le djihad Akbar. Lorsqu'il y a une attaque, eh bien, il y a effusion de sang. Et cela affecte des personnes qui sont sensibles. Dans le Saint-Coran, Allah dit à propos du Saint-Prophète que le prophète n'a pas le droit de prendre des esclaves. Ici, on voit l'image d'un prophète qui fait couler le sang. Il serait tout à fait erroné de dire que telle est la nature du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si l'on regarde uniquement cet instant où il est en train de se battre. Dans ce contexte particulier, l'on peut déduire que c'est un instant de grande bravoure. Mais il serait tout à fait erroné de dire que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était un va-t-en-guerre. C'est pour cette raison que les propos virulents du Messie promet l'Islam ne prouvent pas l'état interne de sa personnalité et sa vraie nature. Si on veut connaître sa vraie nature, eh bien, l'on doit étudier ses paroles. Paroles qu'il a prononcées concernant l'épanouissement moral des hommes, où il a évoqué les beautés de l'islam, là où il a présenté les secrets de l'islam, ces trésors qui ont été enfouis pendant longtemps. C'était des trésors perdus qu'il a fait ressortir. Il a présenté cela dans ses ouvrages. Et c'est là que l'on va voir sa vraie personnalité. Lorsqu'il n'était pas au cours d'un débat, son état était tout autre. Il avait d'autres sentiments à l'égard des prophètes. Il avait un très grand amour pour le Messie Jésus-Christ et il l'honorait. Et il disait à propos de Jésus-Christ que celui-ci avait fait une supplication. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut l'exaucement de la prière du prophète Abraham. Et le saint prophète fut la manifestation de la prière du Messie. Le saint prophète s'est manifesté avec plus d'éclat, mais il fut le représentant du Messie. Il avait porté le nom d'Ahmad. Et par la suite, un autre Messie est venu suite à ses supplications. Et lorsqu'on va se rapprocher du jour de la résurrection, il y aura un autre Messie qui viendra. Un Messie qui va présenter des avertissements, mais un Messie qui sera rejeté complètement par les hommes. Personne ne l'acceptera. Le fait qu'il soit rejeté complètement va causer la perte totale de l'humanité. Ainsi donc, les paroles du Messie promet l'Islam à propos des prophètes hors des débats présentent en fait l'honneur qu'il conférait à ces prophètes. C'est là quelque chose de très grandiose et le Messie promet l'Islam a aussi prouvé sa fidélité à l'égard des descendants les plus éloignés du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Présenter des faits hors contexte, des faits qui ont été présentés lors des débats. Par exemple, à propos de Hadrat Ali, où il a dit « Laissez Ali qui est mort, venez vers ce Ali qui est vivant ». Certains ont présenté ces faits hors contexte afin d'attiser les autres. C'est là une sottise de la part des non-Ahmadis. Mais en tant qu'Ahmadi, on ne doit pas en être coupable. Voilà ce que je vais vous expliquer. Sinon, vous allez créer des difficultés pour vous-même et pour comprendre le point de vue du Messie promet l'Islam. Faites cette distinction, à savoir, au cours des débats, le Messie promet l'Islam a usé de paroles virulentes. Il a usé de ces paroles virulentes afin de répondre à ses attaques. Et cela est en accord avec les préceptes du Coran. Il est dit dans le Saint-Coran, « Washarid bihim », c'est-à-dire de répondre avec virulence afin que ceux qui sont en arrière soient terrifiés en disant qu'on ne va pas se présenter pour se battre. Les paroles qui sont présentées en de telles situations sont en accord avec un contexte particulier.
Ce sont des propos qui sont très éloquents. Mais une jeune fille Ahmadi qui va lire tout cela hors contexte, lorsqu'elle va regarder cette attaque, elle sera complètement désemparée. Ainsi donc, certaines personnes sont très sensibles, d'autres tombent sans connaissance même chez le dentiste. Ainsi, certaines personnes n'ont pas le courage d'accepter des scènes de guerre. Certains en sont désemparés et m'écrivent à ce sujet. Ils disent qu'on voit d'une part la personnalité du Messie promet l'Islam, lui qui a dit de prier pour ceux qui nous insultent et d'accorder du confort à ceux qui nous tourmentent. Mais d'autre part, il y a ces paroles très virulentes prononcées par le Messie promet l'Islam. Je leur fais comprendre que ces propos, il les a tenus dans un contexte spécifique. Et ses ennemis ont utilisé des paroles 10 fois plus virulentes que cela. Ce sont des personnes qui ont utilisé des paroles virulentes à l'égard du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour défendre le Saint-Prophète, son amoureux ne doit-il pas utiliser la même méthode? Est-ce qu'il ne doit pas utiliser de la même méthode pour répondre à ces attaques? Voilà donc la différence entre les propos des autres et les propos du Messie promet l'Islam. Si vous comprenez cela, vous allez comprendre que lorsqu'il a répondu à ces propos virulents, c'était toujours pour répondre à ces attaques contre le Saint-Prophète. Il n'a pas utilisé une nouvelle arme. Afin de terrasser son ennemi, il a pris l'arme de son ennemi en disant que vous vous attaquez au Saint-Prophète par cette arme. Eh bien, je vais vous faire goûter le plaisir de cette arme. Goûtez le supplice de cette arme. Voyez comment elle fait couler le sang. Et ses paroles étaient moins virulentes, mais il a toujours utilisé le même principe. Et vous n'allez pas voir d'exception à ce sujet. Temporairement, le Messie promet l'Islam avait usé des mêmes armes utilisées par ses ennemis. Mais ce n'était pas des armes qu'il avait utilisées de manière permanente. Si on prend l'arme de son ennemi pour lui trancher la tête, voilà la méthode qu'il a utilisée. Si vous comprenez cela, vous n'allez pas voir de contradiction dans les paroles qu'il a prononcées. C'était une personne noble, de grand cœur. Il nous enseignait l'indulgence. Au cours de sa vie, il a traité avec grande miséricorde plus d'un et il a pardonné de grands coupables. Dans cette situation, pourquoi a-t-il utilisé des paroles aussi virulentes? Si vous comprenez cette réalité, vous n'allez plus voir de contradictions. Encore une fois, je présente cela, que la fidélité est que l'on doit servir la cause. Si par faiblesse humaine, on a prononcé des paroles qui ne sont pas à l'encontre de l'honneur qui revient au prophète, et si l'on a prouvé aussi que l'on ne va plus soutenir le Messie promet l'Islam par cette arme, mais que cette arme sera utilisée contre ses points de vue, et si au même moment, on trouve une autre arme pour soutenir les propos du Messie promet l'Islam et qu'on présente cette arme, et qu'on utilise cette arme de sa part, on ne peut pas dire que l'on est coupable d'une contradiction quelconque. Comprenez ce point et vous allez sortir de ces débats tortués. J'ai déjà cité l'exemple de la vie qui sort de la mort. Voilà une déduction tirée par le Messie premier l'Islam. Et aujourd'hui, nous constatons que sa déduction n'est apparemment pas en accord avec les faits que l'on nous présente. Si un prophète ne peut pas commettre pareille erreur, eh bien comment allez-vous accepter le Messie promet l'Islam comme prophète Ummati? Qu'il soit un Nabi Ummati, qu'il soit un prophète, quel que soit son statut de prophétin, s'il regarde certains faits et qu'il tire les conclusions justes, et que ses déclarations sont exactes, alors ce ne sera pas là une atteinte à l'honneur des prophètes. Il est tout à fait logique d'user de toutes ses connaissances pour servir le Coran. Et si, après le passage du temps,
Ces faits qu'on avait utilisés ne soutiennent plus le point de vue qu'on avait présenté auparavant, mais qu'on trouve au contraire des connaissances qui sont plus nouvelles et qui sont plus fermes pour soutenir cette déclaration. Si on accepte ces nouvelles connaissances, ce ne sera pas là un outrage à la mémoire du Messie promis l'Islam. Ce ne sera pas là de l'infidélité à son égard. Au contraire, l'honneur et le respect exigent que l'on protège son point de vue et que l'on prouve que, certes, la connaissance était incomplète auparavant. Mais voyez la gloire de Dieu. Dieu a prouvé vraie la position qu'il avait présentée. Après avoir expliqué cela, je pense que ce n'est pas la peine d'en parler davantage. Si quelqu'un insiste davantage, eh bien, cette personne est peut-être malade dans son cœur. Il y a des personnes qui ne comprennent pas certains faits tout simples. Cela est entre eux et Dieu. Si c'est là la maladie de leur âme qui les a poussés à agir ainsi, eh bien, un jour, ces personnes seront attrapées. Si c'est la simplicité d'esprit et leur sottise et leur état psychiatrique les poussent à agir ainsi, eh bien, Allah les traitera avec grâce. Avant de continuer davantage, je voudrais corriger une erreur. Je présentais la traduction d'un verset du Saint-Coran, mais je comprenais à tort le sens de ce mot. Par la grâce de Dieu, nos oulémas m'ont corrigé et ont attiré mon attention à ce sujet. Il y a le mot « irzé fihi ». Je croyais que « irzé » était un mot et « fi » était un autre mot. Je croyais que c'était le verbe « qada yakfi ». Mais dans ce verset, on ne voit pas ce mot. Il y a le mot « irzif ». Pour une longue période, je croyais que c'était des mots distincts. Je croyais que « irzé » était un mot et « fi » était un autre mot. C'est là une grâce de Dieu que hier, quand j'ai expliqué cela, c'est là qu'on a attrapé mes erreurs. Sinon, on ne m'aurait pas attrapé lorsque je présentais la traduction. Puisque la traduction était en accord avec le contexte, c'est pour cette raison que les oulémas ne m'ont pas attrapé. Mais dans mon commentaire, lorsque j'ai présenté ce mot comme deux mots distincts, certains de nos oulémas, par exemple Jamirul Rahman Saheb et Mubarak Muslehuddin, lorsqu'il était tout enfant, puisqu'il était intéressé par la pureté, on lui avait donné le titre de Muslim Maoud. Tout comme ici, on donne le titre de docteur Taqwa à notre médecin. Ce ne sont pas là de bonnes actions, ce ne sont pas là des faits louables. Avec de telles plaisanteries, on va se rapprocher de ces choses qui sont condamnées par le Saint-Coran. Il est dit « La tanabazu bil alqab ». Ce monsieur s'appelle Mubarak Muslih. Et en raison de sa bonne nature, en raison de ses bonnes manières, et puisqu'il insistait sur le fait d'être une personne pure, on lui avait donné le titre de Muslih Maoud. Mais je présente mes excuses ici. Ce n'est pas quelque chose de bon, ce n'est pas quelque chose de responsable, de respectable. Ce n'est pas bien de donner de tels sobriquets. On peut certes donner des sobriquets par amour, cela n'est pas condamné par le Saint-Coran. Le Saint-Coran interdit ces sobriquets qui blessent les cœurs.
Sinon, à l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, parmi les Arabes, on donnait ces sobriquets par amour. Par exemple, il y a Abu Huraira, qui est le père du chat. Mais puisqu'il n'y avait pas un aspect blessant dans ce sobriquet, c'est pour cette raison qu'on acceptait cela, et cela ne tombe pas dans cette catégorie. En tout cas, M. Mubarak Muslehuddin et l'autre monsieur ont attiré mon attention à ce sujet. Donc, il y a ce verbe « irzefi ». Moi, je croyais que c'était deux mots distincts. Et c'est sur cette base que j'ai présenté cet argument. Tous acceptent que le verbe utilisé ici est « qazafa ». Ici, on ne trouve pas mention de ce verbe que je présentais, c'est-à-dire le fait que la paille tombe dans les yeux. Il se peut que je l'ai dit, mais que j'ai présenté un autre sens et que j'ai cru que cela voulait dire que l'on doit placer dans le panier. Voilà donc l'erreur que j'ai commise. C'était là une erreur de ma part. On m'a dit que le verbe est « khazafa »,« yakhzifo ». Cela veut dire « placer quelque chose dans un autre objet ». Ainsi donc, l'explication que je présentais s'arrête là. Voilà donc un exemple, c'est-à-dire par innocence, j'ai commis une erreur. Et ainsi s'arrête le commentaire que je présentais. Mais le fait est tel quel. Si vous me faites comprendre cela, ce ne sera pas là un manque de respect. Au contraire, c'est une faveur. Car auparavant, je lui disais que nous sommes en train d'étudier jusqu'à présent. Nous sommes des étudiants permanents. Par exemple, ces personnes, parmi elles, il y a de grands érudits, je ne vais pas citer des exemples, mais il y a quelqu'un qui m'a présenté un point de vue, je lui dis que votre point de vue n'est pas exact, et cette personne a accepté son erreur. Ainsi, Subhanallah est la meilleure parole en de telles situations, c'est-à-dire seul Allah est exempte de telles erreurs, personne n'est exempte de ces erreurs. Lorsqu'on sait qu'on a commis une erreur, on doit l'accepter immédiatement, sinon on ne sera plus un étudiant. Si l'on n'est pas un étudiant, l'on ne pourra pas non plus enseigner aux autres. Le saint prophète, paix soit sur lui, a lié la quête de la connaissance et l'enseignement. Il a dit que si vous étudiez toujours, vous serez un enseignant. Voilà ce qui a été dit dans le saint Coran à propos du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, lorsqu'on est en train de réfléchir à propos d'un sujet, eh bien, des fois, on oublie ce qu'on est en train de dire et on ne se souvient pas de ces paroles ou de ces sujets. Dans le Saint-Coran, il est dit « Darasta », c'est-à-dire « Est-ce que tu as appris cela ?» وَكَذَلِكَ نُصَرِفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِيُبَيِّنَ لِقَوْمٍ يَعْمَلُونَ. C'est ainsi que nous enseignons au saint prophète. Nous lui enseignons des choses sublimes, afin que les autres disent « Oui, tu as appris cela ». Selon moi, une autre nuance du verbe darasa, c'est d'enseigner. Le terme darasa veut dire apprendre, certes. Mais généralement, les ulémas disent que darasa veut dire apprendre, cela ne veut pas dire enseigner. Mais on ne va pas comprendre ce verset si on n'applique pas ces deux sens. Lorsque j'ai fait des recherches, j'ai trouvé des références de l'imam Razi. Il a dit que « darasa » signifie « apprendre », mais « darasa » signifie aussi « enseigner » dans un sens. Et voilà le sens de ce verset. C'est pour cette raison que le hadith du saint prophète, paix soit sur lui, s'applique ici. C'est-à-dire, tu as enseigné tout comme tu as appris. Tu l'as fait à la perfection. C'est-à-dire, que tu as fait pleuvoir sur eux cette connaissance qu'ils sont contraints de dire que
Tu as très bien appris de ton Seigneur et tu nous as très bien enseigné. Ainsi donc, à la base de ce hadith se trouve dans ce verset. À savoir que si vous allez bien apprendre, vous allez bien enseigner. Mais si vous le faites par orgueil, si vous n'acceptez pas une vérité en croyant que cela va porter atteinte à votre honneur, eh bien, ce sera là le comble de l'ignorance et on doit en demander pardon à Dieu. En tout cas, je suis reconnaissant envers ces personnes qui m'ont attiré l'attention. Il y a M. Mubarak Muslihuddin Saheb, M. Jamil Rahman Rafiq. Je vais maintenant retourner vers le sujet d'hier. Des fois, je parle à propos de certains sujets et j'en tire un grand plaisir. Et j'abandonne le fil conducteur du commentaire et je pars à droite et à gauche. J'espère que cela ne lasse pas les gens. C'est quelque chose de plaisant aussi, je pense. Cela a trait aux commentaires, même si le sujet diffère un peu. Ainsi, je parlais à propos de Pharaon. Et il y a la question de Haman. Ensuite, il y a la question de Karoun. Qui était Karoun? Et le Saint-Coran évoque aussi les armées de Karoun. Le Saint-Coran parle de Firauna wa Hamana. Ensuite, il est dit wa Junudahuma. C'est-à-dire que ces deux forces avaient leurs armées séparées. Karoun était quant à lui un ministre des Finances. C'était une personne influente. Et il appartenait au peuple de Moïse. Et lors de la lutte avec Pharaon, ces trois personnes devaient être présentes. Voilà la recherche à faire. Il est important de connaître qui sont ces personnalités. Il est important de savoir où se trouve ce trésor. Celui qui essaiera d'amener ces trois personnes à l'époque du pharaon Ménepta sera voué à l'échec. Car ces faits et les commentaires des érudits bibliques concernant l'État eh bien, sachez que tous ces détails ne peuvent s'appliquer qu'à l'époque du prophète Moïse. Et cela ne s'applique qu'à l'époque du pharaon Ramsès. Son règne fut très long, son règne fut glorieux. Il avait ses aides et il s'était battu. Ce sont des faits qu'acceptent tous les érudits. Mais il ne suffit pas qu'ils acceptent cela. Nous devons nous aussi faire des recherches. On doit faire des recherches concernant Asiya, c'est-à-dire qui était cette femme. Je présenterai devant vous ma déduction à ce sujet. Quand elle s'était mariée avec Pharaon et quand Moïse est né, elle était là en tant qu'épouse de Pharaon ou est-ce qu'elle s'est mariée après? On comprend à la lumière du Coran que Asiya était cette femme qui avait pris la responsabilité de protéger Moïse. Je leur ai demandé de faire des recherches concernant Asiya si elle était mentionnée dans les hadiths. D'où vient ce nom? Je vais vous éclairer à ce sujet tout d'abord. Il y a un hadith qui a été rapporté dans le recueil de Sahih Bukhari. Et on trouve mention de deux femmes. Il y a tout d'abord Asiya, la femme de Pharaon. Ensuite, il y a Maryam, la femme d'Imran. Cela se trouve dans la sourate At-Tahrim. On trouve mention de ces deux femmes, mais le Coran ne mentionne pas le nom de la femme de Pharaon. Le Saint-Coran mentionne uniquement l'épouse de Pharaon. Le Saint-Prophète nous dit que le nom de cette femme est Asiya. J'ai fait des recherches à propos de son nom et on a trouvé une femme à l'époque de Ramsès. Elle était parmi les épouses royales. Le nom de cette femme est Isset Nofret. Les premières lettres de son nom sont I-S, E ou O. Et ces lettres correspondent à le nom Asiya.
À part cela, il n'y a pas d'autres femmes qui portent un nom où l'on trouve au tout début les mêmes lettres ou les mêmes syllabes. On ne trouve pas de nom similaire ni parmi les pharaons précédents, ni parmi les pharaons qui ont succédé Ramsès. Si on fait davantage de recherches, l'on va trouver quelque chose d'autre, à savoir que Moïse est né à l'époque de ce pharaon, et nous sommes en train de parler de cette époque. Donc nous avons eu quelque chose concernant son nom. Mais il y a aussi le sens de ce nom, et il se peut que ce nom soit un nom attributif. Ce nom est dérivé d'un verbe qui signifie que l'on s'est occupé d'un malade, l'on a présenté ses condoléances. Voilà un des sens du mot Asia, celle qui présente ses condoléances, celle qui s'occupe des malades. Et je vous présente un autre sens. Ce sens est être triste. Il y a le sens de Yas, de la tristesse. Voilà donc ce nom attributif. Et voilà le sens que l'on peut en déduire, car le Saint-Coran nous fait comprendre qu'elle était très triste et qu'elle suppliait Dieu, à savoir, « Ô mon Seigneur, libère-moi de ce tyran ». Et elle avait cru dans le prophète Moïse. Conséquemment, les exégètes ont présenté des histoires farfelues sans fondement. On ne trouve pas de tels récits, même parmi les récits rapportés par les enfants d'Israël, c'est-à-dire que Pharaon l'a torturée, l'a persécutée. Ce sont des histoires farfelues. Mais le Saint-Coran nous fait comprendre qu'elle était très triste et qu'elle était très aigrie en raison des actions de Pharaon. Et elle priait, « Ô mon Seigneur, accorde-moi la liberté et donne-moi une maison au paradis. » On avait posé cette question, que peut-être que Pharaon ira au paradis ou pas. Il se peut qu'il soit pardonné et qu'il soit admis au paradis. S'il en est ainsi, eh bien, Asia, la pauvre, sera en grande difficulté. Elle a demandé le salut et voilà qu'elle trouve Pharaon dans le paradis. Ce ne sera pas possible. C'est pour cette raison que ce sont là des histoires farfelues. Elle a demandé le salut et certainement Pharaon se trouve en enfer. Le fait que Asia ait demandé le paradis, qu'elle ait demandé qu'elle ait une maison au paradis, nous fait comprendre que Pharaon ne se trouvera pas au paradis. Ainsi, voilà Asia, c'est peut-être Isenofret, le nom dont je vous ai présenté. Voilà le nom plausible, Isenofret. Mais les chercheurs doivent faire davantage de recherches à ce sujet. Il y a un autre point que l'on peut déduire du Saint-Coran, à savoir que quand cette femme a dit à Pharaon que nous allons adopter cet enfant afin que nous en fassions un fils adoptif, elle n'a pas dit « moi », elle a dit « nous ». Ce qui nous fait comprendre que Pharaon n'avait pas d'autres enfants de la part de ses autres épouses. Pharaon n'avait pas encore d'enfants d'autres femmes. Et Asia était en train de dire à Pharaon qu'il se peut que nous n'ayons pas d'enfants. Et un Pharaon, mourir sans enfant, était une grande humiliation. C'est pour cette raison que Pharaon lui a donné la permission d'adopter cet enfant. Mais par la suite, ce Pharaon a eu un grand nombre d'enfants. Et Ménéptah, qui avait 7 ans lorsqu'il fut Pharaon, était son 13e fils.
Et avant que décède Ramsès, avant lui, avait décédé 12 de ses fils. Quand est-ce qu'il est né? À quelle époque? Maintenant, je vais vous présenter les faits du Saint-Coran et des faits présentés par des égyptologues. Les faits présentés par le Saint-Coran sont certains et les faits présentés par des égyptologues sont des hypothèses. Tous sont d'accord que Ménéptah avait 60 ans lorsqu'il est monté sur le trône. Quand Ramsès est décédé, il avait 60 ans. De combien était-il le cadet de Ramsès, afin que l'on puisse connaître sa date de naissance? Si on accepte que Ramsès, le pharaon, est décédé à l'âge de 95 ans, et nombre de chercheurs sont d'accord à ce sujet, alors on va dire que Ménéptah est né quand Ramsès avait 35 ans. La question maintenant, c'est de savoir quand est-ce que Ramsès est monté sur le trône. Et après cela, on va aussi savoir l'année de sa naissance après que Ramsès est monté sur le trône. À ce sujet, on dit que Ramsès est monté sur le trône entre l'âge de 18 et 29 ans. S'il a régné jusqu'à l'âge de 95 ans, eh bien, il était plus petit que son père de 35 ans. Si son père fut pharaon à l'âge de 29 ans, eh bien, lui, il est né 6 ans après. Si Moïse est né au cours de cette période, eh bien, ce ne sera pas quelque chose d'étrange. Si on accepte les autres récits, eh bien, ce ne sera pas en accord avec l'âge de 18 ans, mais ce sera en accord avec l'âge de 29 ans. L'âge maximum quand il est monté sur le trône, c'est 29 ans. En me basant sur cet âge de 29 ans, j'ai lié cela avec son âge maximum, qui est 95 ans. Et Ménéptah était plus petit que son père de 35 ans. Quand Ramsès est monté sur le trône, 6 ans après, son fils est né. Imam Saab, avez-vous compris ce que j'ai dit? Si vous n'avez pas compris, eh bien les autres aussi ne vont rien comprendre. C'est là une contrainte de ma part. Je dois expliquer cela même si cela va prendre du temps. On dit que le pharaon avait au maximum 95 ans. Et il a été prouvé sans aucun doute que Ménéptah est né 6 ans après quand il a commencé à régner. Cela veut dire que si son père est décédé à l'âge de 95 ans et que Ménéptah avait à l'époque 60 ans, eh bien, il est plus jeune que son père par 35 ans. S'il était plus jeune que son père par 35 ans, eh bien, quand est-il né? J'ai lié la date de sa naissance avec la date maximum de la montée sur le trône de son père. L'âge maximum que l'on présente pour le pharaon lorsqu'il est monté sur le trône est 29 ans. Il n'y a que 6 ans entre 29 ans et 35 ans. Ainsi, Ménéptah était plus petit que Moïse par 6 ans. Si Moïse est né la même année que Pharaon est monté sur le trône, ou au cours de l'année qui s'est écoulée, eh bien, Ménéptah est plus petit que Moïse par 5 ou 6 ans. Quelles sont les autres possibilités? Mais on ne peut pas accepter cela. Comment Pharaon aura-t-il pu avoir 13 enfants au cours de ses 5 et 6 ans? Et Ménéptah était le 13e enfant.
C'est pour cette raison que nous devons chercher d'autres récits, des récits qui sont plus acceptables, mais qui présentent des périodes encore plus longues. J'ai fait une analyse à ce sujet, et selon un récit, il est dit que Séti avait régné pendant 14 ans, et après cela, il a régné. On dit que Ramsès avait 18 ans, ou 18 ans au maximum. On dit que Séti avait régné 11 ans, mais selon certains historiens, il avait aussi régné 14 ans. Si Ramsès est né après que Séti est monté sur le trône, eh bien Ramsès avait entre 14 ou 13 ans lorsque Séti est mort. Ainsi, peut-on accepter qu'un pharaon qui a 14 ou 13 ans lorsqu'il est monté sur le trône, on ne peut pas imaginer qu'un pharaon qui était encore enfant, qui avait entre 13 et 14 ans, qu'il est une femme et qu'ils étaient en train de parler à propos des enfants. On ne peut pas accepter cela. Ainsi donc, ce scénario contredit ce que nous présente le Saint-Coran. C'est pour cette raison que l'on doit se demander s'il n'était pas plus âgé. Nous avons fait des recherches et on est tombé sur une stèle où on trouve une déclaration de ce pharaon qui déclare que quand mon père était en train de célébrer le fait qu'il était monté sur le trône et lorsqu'il est apparu en public pour la première fois, moi, j'étais un tout petit enfant et je jouais dans ses girons. Et il a placé sur ma tête une couronne et a dit que aujourd'hui, lui aussi, il va régner en tant que roi. Et c'est un enfant qui a beaucoup de capacités et il a placé sa confiance en moi et il m'a accordé de grandes responsabilités. Voilà la déclaration que l'on trouve sur une stèle de ce pharaon. Si on laisse de côté ses habitudes à être orgueilleux, car telles étaient ses habitudes, c'était un pharaon très arrogant. Et il n'y avait pas de pharaon plus arrogant que lui. Il était si arrogant que certains historiens ont dit qu'il était celui qui utilise le burin. On dit de ce pharaon qu'il aimait utiliser le burin. Sur certaines de ces stèles, on avait préservé l'histoire de certains pharaons. Ainsi donc, on a tracé sur ces stèles les histoires de ces pharaons. C'est grâce à ces stèles qu'on a connu l'histoire des pharaons d'Égypte. Selon les historiens, ces stèles ont une grande importance. Mais ce pharaon a raconté beaucoup d'histoires à propos de sa personne. Et on n'accepte pas tout ce qu'il dit. Les historiens disent qu'on ne doit pas accepter tout ce qu'il dit car en fait, il effaçait les histoires des pharaons du passé. Il enlevait leur nom avec du burin et il plaçait son nom à la place de nom de ces pharaons. Et ainsi, il voulait faire croire à ceux qui allaient venir après qu'il avait accompli de grandes œuvres. Ainsi, nous n'allons pas accepter toutes les histoires qu'il a racontées. On ne sait pas à quel point il a dit la vérité. Mais il ne peut pas nier l'histoire de son époque. C'est pour cette raison que nous allons devoir accepter ces faits.
Il a présenté des faits qui concernent sa naissance. C'était des faits connus et il ne pouvait y avoir de contradiction à ce sujet. S'il n'y a pas de contradiction avec ce sujet, eh bien, on doit accepter cela. Ici, il n'y a pas de contradiction avec ce qu'il a raconté. C'est pour cette raison que ce n'est pas la peine de rejeter cela. Ainsi, selon certains historiens, il est monté sur le trône à l'âge de 18 ans. Et cela est tout à fait vrai. Lorsqu'il est monté sur le trône à l'âge de 18 ans, il y a un laps de temps entre lui et son fils ou son 13e fils. Cela veut dire que si ce pharaon est décédé à l'âge de 95 ans, il y avait une différence de 35 ans. Il est monté sur le trône à l'âge de 18 ans. 17 plus 18 fait 35. Ainsi, au cours de cette période de 17 ans, ou au cours de cette période de 12 ans, ce pharaon a pu avoir 13 enfants. Ce n'est pas quelque chose d'impossible, car il avait un grand harem. Et il était fier du fait qu'il avait des épouses, qu'il avait aussi des concubines. Ainsi, il est possible qu'il a eu autant d'enfants. En ce qui concerne une de ses épouses, Isetnofré, elle est la même qui est la mère de Ménépta. La mère de Ménépta avait 4 enfants. Elle avait 4 fils. Cela est en accord avec ce que nous dit le Saint-Coran. C'est-à-dire, quand Moïse est né, la femme qui lui a accordé la protection s'appelait Isetnofré, c'est-à-dire Assia. Cette femme n'avait pas d'enfant. Moïse est né immédiatement après le début du règne du pharaon. Et dès que le pharaon a commencé à régner, il a donné des ordres de tuer les enfants d'Israël. Son père était un grand ennemi des enfants d'Israël. Et il est dit qu'il avait fait de son fils un tyran. Ainsi, dès qu'il est monté sur le trône, Pharaon a dit qu'il faut tuer les enfants d'Israël. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Et c'est là que Moïse est né. Et le pharaon n'avait pas d'enfants à l'époque. Ensuite, Dieu a accordé à Assia 4 fils. Et un de ses fils était Ménépta. Assia, pour une longue période, a témoigné des crimes de ce pharaon, de ses actes indécents. La prière que lui attribue le Saint-Coran nous fait comprendre cela, c'est-à-dire qu'elle a souffert pendant longtemps et qu'elle a prié beaucoup. Elle a prié pour qu'elle soit délivrée de Pharaon. On ne sait pas quand elle a été libérée, mais l'histoire d'Assia doit être étudiée davantage. Et les oulémas doivent réfléchir à ce sujet. Je vous fais comprendre qu'il ne faut pas regarder les récits des exégètes. Ils ne pouvaient pas connaître ces histoires. Ils ne pouvaient pas connaître ces faits. Ces faits, ces trésors ont été découverts par la suite. Tournez-vous vers ces faits et implorez l'aide de Dieu. Et c'est là que nous allons découvrir nombre de choses. Il y a un autre point qui concerne Haman. Ensuite, il y a Qarun. Est-ce que ces trois personnes ont vécu à l'époque de Ramsès ou pas? Les historiens disent qu'il y a cette possibilité, c'est-à-dire que ces trois personnes aient vécu à l'époque de Ramsès. Quel est le sens du mot « Haman » ? Monsieur Cheikh Abdul Qadir a écrit un article sous le titre d'Al Furqan. Il a cité un ouvrage qui s'appelle « Egypt under the Pharaohs ». Et il a cité le nom de l'auteur.
l'auteur qui doit être un Allemand, je pense. En tout cas, ce n'est pas un nom anglais. L'auteur déclare que Ham voulait dire le grand sacrificateur. Et Man vient du mot Amon. Ce qu'il est en train de rapporter ici est tout à fait vrai. Haman était un titre qui s'appliquait au grand prêtre. Haman avait un très grand statut et Pharaon Ramsès avait fait de son fils aîné le grand prêtre. Et il avait un grand pouvoir. Selon les recherches, l'on a trouvé que lorsque Pharaon a célébré ses 30 ans, il avait ce fils. C'est-à-dire, lorsque Ramsès a célébré ses 30 ans, son fils aîné était toujours vivant. Ensuite, jusqu'à l'âge de 50 ans, on trouve à 9 reprises mention de ses anniversaires. Il a célébré 9 anniversaires, ou même plus, mais là-bas, on ne trouve pas mention de ce Haman. Cela veut dire que ce Haman était déjà mort ou qu'avant le retour de Moïse, il était déjà mort. En tout cas, on n'a pas trouvé son corps après la noyade. Et Pharaon avait dit à Haman de bâtir pour lui un édifice. Ce Haman était un autre Haman ou un autre grand prêtre. Le Coran nous fait comprendre que Pharaon a dit à Haman de bâtir pour lui un édifice. Et l'histoire prouve que ce Haman qui était son fils, ce grand prêtre qui était son fils, était mort avant le retour de Moïse. Et il n'était pas présent lorsqu'il y a eu cette lutte entre Pharaon et Moïse. Les fils de Pharaon sont morts rapidement et il a vu la mort de 13 de ses fils, de ses yeux. En tout cas, on trouve mention de ces deux armées dans le Saint-Coran. On doit faire des recherches à ce sujet. Et grâce à cela, on a compris que Pharaon avait deux armées. Ce Ramsès avait deux armées. Ainsi, on comprend que c'est lui-même ce Pharaon. Il y a une référence qui a été apportée par Sarah Safi. Son armée était composée d'Égyptiens, mais aussi de mercenaires étrangers. Et son armée était faite de 4 divisions, selon les noms de Dieu. Une des divisions était Amon, qui s'applique à Haman. Le chef de cette division était Haman. En tout cas, il y avait ce grand prêtre ou ce grand ministre après Pharaon. Haman était le grand prêtre, il était aussi le chef de cette armée. Est-ce deux personnes différentes ou une seule personne? Voilà la question que l'on doit se poser. Selon moi, c'était deux personnes différentes. Il y a tout d'abord Haman qui était le grand prêtre. Mais il y avait aussi le chef de cette armée. Si on accepte que c'était un étranger, eh bien, il y a deux possibilités. Soit qu'il était des leurs, et qu'il n'était pas un Égyptien, mais qu'il était de l'extérieur. Ou soit qu'il appartenait à une division qui était composée de soldats étrangers. Il y avait cette division qui s'appelait Amon. Le Saint-Coran déclare Junud Ahuma Kanu Khatayn, c'est-à-dire ces deux armées, Pharaon et Haman, étaient tous des pécheurs.
C'est là un autre point qui prouve la véracité du Saint-Coran. Le Saint-Coran a évoqué avec minutie l'histoire de ce pharaon. Et les historiens qui sont venus plus tard ont découvert ces faits sur les stèles. Ils ont dû accepter ce qui est écrit sur ces stèles. Mais 1400 ans de cela, le Saint-Coran nous a présenté ces faits. Mais cela ne s'applique pas au pharaon Ménéptah. Ces faits s'appliquent uniquement au pharaon Ramsès. Et de toute manière, Ménéptah était plus petit que Moïse. Il n'aurait pas pu dire à Moïse que tu es né devant moi. Peut-on dire à une personne qui est plus grande que soi de 20 ans que tu es né devant nous? Donc, il n'y a pas de doute que le Saint-Coran nous présente un seul pharaon. Moïse est né à l'époque de ce pharaon. Moïse a grandi entre les mains de sa femme. Ensuite, Moïse est retourné à l'époque du règne de ce même pharaon alors qu'il avait 40 ans. Et Ménéptah a régné bien longtemps après. Ensuite, il y a eu cet affrontement entre Moïse et Pharaon. Et Pharaon a échoué. Ce récit se trouve dans Chambers Encyclopedia. C'est là-bas où l'on trouve mention de ces deux armées. J'ai évoqué une stèle et Ménéptah déclare avec fierté que je suis parti là-bas et j'ai complètement déraciné les enfants d'Israël. J'ai tiré la conclusion que si on va débattre à ce sujet et s'il y aura eu une telle bataille, pourquoi est-ce qu'il est parti là-bas pour les déraciner? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas tué ici même les enfants d'Israël? On aurait pu aussi dire qu'il avait besoin des enfants d'Israël en Égypte comme esclaves. C'est pour cette raison qu'il est parti à l'extérieur pour les exterminer. Mais encore une fois, c'est quelque chose de très farfelu. Pourquoi est-ce qu'il est parti là-bas pour les exterminer? Et Pharaon, en dépit de ses grandes déclarations, a subi un grand échec de la main d'une personne qui était parmi les plus méprisables, qui appartenait à la classe des laboureurs. Lorsqu'on s'oppose aux représentants de Dieu, lorsqu'on fait l'intention de les tuer, en fin de compte, l'on subit l'échec. Il avait vu une force dans le prophète Moïse. Pourquoi donc est-il sorti à l'extérieur pour aller exterminer les enfants d'Israël? Ce n'est pas ma conclusion à moi, mais Saleh Safi a présenté une référence à ce sujet, tiré d'un ouvrage dont le titre est « L'histoire des Hébreux à l'époque des Romains ». L'auteur déclare que on a tiré la conclusion d'une stèle que lorsque Ménéptah était en train de régner, les Hébreux avaient quitté cet endroit. Il n'y avait pas trace de leur existence en Égypte. C'est pour cette raison qu'on trouve mention de ces paroles sur ces stèles. Et de grands historiens ont tiré cette conclusion. À savoir qu'il est peut-être coupable d'orgueil, mais qu'il n'était pas présent là-bas. Il voulait venger son père, en fait. Mais comment Dieu s'est-il vengé? Je vais vous informer à ce sujet. Comme je l'ai dit, quand Moïse est retourné en Égypte, il avait 40 ans. Le Saint-Coran nous fait comprendre que lorsqu'il a été choisi comme prophète et qu'il avait complété cette période de 8 ans,
Lui-même ne voulait pas rester là-bas davantage et il a pris la permission pour partir. S'il avait complété sa permission, il n'aurait pas demandé permission de partir. Prendre la permission signifie qu'il avait terminé la période de 8 ans et qu'il voulait partir après avoir pris la permission de son beau-père. C'est là que Dieu l'a choisi comme prophète. Et Dieu lui a dit que maintenant tu as atteint l'âge pour que tu puisses travailler pour moi. Je t'ai choisi pour moi. En tout cas, il avait moins de 40 ans. J'ai dit qu'il se peut qu'il ait 40 ans et qu'il ait eu ce statut de prophète alors qu'il était tout jeune. Dieu a dit que dès que tu es arrivé à maturité, nous t'avons choisi. Il fut choisi comme prophète à l'âge le plus jeune que l'on peut être choisi comme prophète. Eh bien, à l'époque, selon les déclarations du Saint-Coran, il avait environ 33 ans. C'est pour cette raison que j'ai dit qu'il avait émigré à l'âge de 25 ans. Il avait entre 25 et 30 ans lorsqu'il est sorti de l'Égypte. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il a émigré de l'Égypte à l'âge de 40 ans et qu'il est resté là-bas 40 ans et qu'il est retourné en Égypte à l'âge de 80 ans. C'est une histoire illogique qui change complètement l'histoire. C'est quelque chose que l'on ne peut accepter. C'est le Coran qui nous présente ces faits tels quels. Ainsi, lorsqu'il est retourné en Égypte, il avait entre 33 et 40 ans. S'il avait 33 ans, en tout cas, il était plus petit que Pharaon. Menephtah était plus petit que lui de 30 à 35 ans. Puisqu'il était plus petit que Moïse, c'est pour cette raison que j'ai dit qu'il faudra mettre une plus longue période. En tout cas, Moïse était 33 ans plus jeune que Pharaon. Cela veut dire que Moïse a passé là-bas 25 ans. Et Menephtah était plus jeune que son père de 35 ans. Lorsque Moïse a émigré de l'Égypte à l'âge de 25 ans, il venait de naître, Menephtah. Je veux dissiper ces malentendus et je veux vous expliquer cela. Si ce pharaon Menephtah est né 18 ans avant, eh bien, ajoutez 18 à 25, 25 est l'âge de l'émigration de Moïse hors de l'Égypte. Si Menephtah était plus jeune que son père par 25 ans, eh bien, quand était-il né? Son père avait régné 17 ans avant sa naissance. Ainsi, il est né avant l'émigration de Moïse. Lorsque Moïse est retourné en Égypte, il était un jeune enfant. Voilà donc la situation. Mais lorsqu'il y a eu cet affrontement entre Moïse et Pharaon, eh bien, à la lumière du Saint-Coran, il se peut que Moïse ait vécu entre 8 et 10 ans en Égypte par la suite. Lorsque j'ai étudié cela davantage, nous avons fait beaucoup d'efforts à ce sujet. Certains de ces jeunes filles ont fait beaucoup d'efforts pour faire des recherches à ce sujet, pour préparer les notes pour le lendemain. Et certains ont sorti de bonnes références. Et à la lumière de leur recherche, il est dit que beaucoup d'historiens ont déclaré que cette période en Égypte a duré 10 ans.
Ainsi donc, les historiens sont en accord avec ce que j'ai dit. J'ai tiré cette déduction du Saint-Coran et ainsi l'on comprend encore une fois la gloire du Saint-Coran. Les déductions que l'on tire de ces versets du Saint-Coran sont exactes. Et les historiens ont fait des recherches et ont présenté le même chiffre. Si Pharaon avait 18 ans lorsqu'il a commencé à régner, eh bien, ajoutez 18 à cela et vous aurez 61 ans. Et il avait 61 ans lorsqu'il y a eu l'événement de la noyade. Et Meneptah, quel âge avait-il à l'époque? S'il était plus jeune que lui de 30 ans, eh bien, il était à l'époque encore un enfant. Ainsi, Meneptah était un enfant lorsqu'il y a eu l'incident de la noyade. À l'âge de 61 ans, jusqu'à sa mort, est-ce que Pharaon a vécu une vie de supplice? Est-ce qu'il a vécu comme un signe de la colère de Dieu ou bien est-ce qu'il était ce Pharaon glorieux? J'ai préparé le terrain pour que vous puissiez comprendre cela, afin que vous puissiez accepter ces faits. Les recherches nous font comprendre que tout d'abord, on a découvert le cadavre de Ramsès et de Séti en 1881, c'est-à-dire à l'époque du Messie premier alayhi salam. En 1882, le Messie premier alayhi salam a été choisi par Dieu comme prophète et on a découvert la momie de Ramsès en 1881. Et cela renforce mon point de vue que Dieu a fait connaître ses trésors à l'époque du Messie promis alayhi salam. Et voilà un des arguments qu'il voulait nous présenter. La momie de Meneptah a été découverte par la suite. Mais en tout cas, on a découvert les momies de Séti et de Ramsès en 1881. Il est dit que Ramsès était bien bâti, sa tête était allongée, sa tête était petite comparée à son corps, et il était chauve. Il mesurait 6 pieds. Voilà donc les témoignages de sa momie, à savoir qu'il mesurait 6 pieds et que et sa tête était très élevée, c'est-à-dire, on voit l'image d'un roi arrogant. Les études médicales prouvent qu'il est décédé à l'âge avancé. Il avait peut-être 90 ans. Ainsi, il avait entre 90 et 95 ans. Ainsi, ce ne sont pas là des histoires. Les études radiologiques prouvent qu'il avait l'arthrite de la hanche et qu'il devait marcher avec beaucoup de souffrance. Afin de briser son arrogance, lui qui marchait avec arrogance, eh bien, il boitait d'un pied et il souffrait beaucoup lorsqu'il marchait. Et ainsi, il clopinait quand il marchait. Il avait un sérieux problème avec ses dents. Il y avait des abcès près des racines de ses dents, et cela causait une mauvaise haleine. Il avait une mauvaise haleine, disent les chercheurs. Certainement, ce devait être une odeur nauséabonde. Et il souffrait atrocement de ses dents
et certainement il y avait une mauvaise odeur qui sortait de sa bouche. Voilà ce que nous présente la médecine. Le docteur Rosalie David a écrit à propos du mystère des momies. À propos du pharaon Ramsès, elle dit que selon nos recherches, elle avait la sclérose. Sclérose qui a duré pendant plusieurs années. Cela veut dire que lorsqu'il s'est affronté à Moïse, il a vécu 30 ans. Par la suite, il a eu cette maladie, une maladie qui l'avait empêché de marcher. Et il souffrait aussi de ses dents. Et certains médecins disent qu'il est décédé de cette maladie et qu'il avait beaucoup souffert. Et les médecins disent qu'il a eu cette sclérose des artères. Et cela aurait affaibli sa mémoire. Je ne crois pas qu'il pourrait être sain d'esprit en raison de ses maladies jusqu'à la fin de ses jours. En tout cas, il est mort après une longue période et il était dans un état d'incapacité. Lorsque les historiens mentionnent sa dernière période de son règne, eh bien, lorsqu'on mentionne cette période lorsqu'il avait 61 ans, l'histoire après cet âge de 61 ans est complètement mort. Sa gloire a complètement disparu. Après cela, on ne trouve pas mention qu'il avait lancé des attaques. C'est pour cette raison qu'il est tout à fait faux de dire qu'il a lancé des attaques contre les Israélites à l'extérieur de l'Égypte. Cela a été prouvé, et puisque cela allait à l'encontre de mon point de vue, mais puisque j'ai lu cela, c'est pour cette raison que j'étais contraint de le présenter. Il est vrai qu'après cet âge de 61 ans, il n'a pas lancé d'attaque à l'extérieur de l'Égypte. Et son pouvoir était en déliquescence. Il y a eu des invasions de l'extérieur. Il y a eu ce déclin graduel. Le Saint-Coran a dit que, après cet incident, ils ont perdu leur gloire d'antan. Et ils ont été déracinés. Et ce sont les enfants d'Israël qui ont hérité de cette terre. Eux qui étaient considérés comme des faibles sur la terre. Certains pensent que la prophétie est faite aujourd'hui et que le lendemain, la prophétie s'est réalisée. Il y a une longue période de préparation selon le Saint-Coran. Ainsi, il fut affaibli physiquement au tout début. Et si mon point de vue est exact, il en fut ainsi. Ainsi, c'est ce même pharaon qui est sorti de la noyade, mais qui était dans un état déplorable. Il est resté en vie, certes, mais il a vécu en tant que malade. Il était handicapé et il avait perdu sa gloire d'antan. Et lorsqu'il est décédé, c'est là que Menephtah a lancé des attaques pour se venger. Il a lancé cette attaque là où le peuple de Moïse s'était établi. Il faisait des efforts pour s'établir là-bas. On ne peut pas dire où se trouvaient Moïse et son armée. Mais il a vu quelques personnes là-bas qui étaient en Palestine. Et il les a rencontrés, peut-être qu'il les a anéantis en pensant que c'était les enfants d'Israël. Ou soit qu'il était en train de mentir et qu'il a tué quelques personnes et qu'il est retourné, mais que la graine était toujours présente là-bas. Et après quelques temps, Pharaon et son peuple ont disparu, car à l'époque de Menephtah, il y a eu ce déclin.
et ils ont perdu leur pouvoir. Il y a eu des attaques de la part des Grecs et ces derniers ont mis fin complètement à leur règne. Et par l'entremise des Grecs, Dieu a accordé la victoire aux enfants d'Israël. Voyez le décret de Dieu, car plus tard, les Grecs ont accepté Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous dépendons de la langue grecque pour étudier la Bible. En tout cas, les Grecs ont régné pendant longtemps en Égypte. Ces Grecs ont fait main basse sur l'Égypte et c'est ainsi que Dieu s'est vengé. Ceux qui régnaient en maître en Égypte ont été les esclaves de Jésus-Christ. Et les enfants d'Israël ont régné sur ce pays. Voilà donc le décret de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que la prophétie s'est réalisée un seul jour. L'histoire s'est transformée et voyez comment Dieu change ses situations. Voilà ce pharaon et voilà la fin de ce pharaon. Un autre écrivain écrit que Ramsès était sénile dans la dernière partie de sa vie et qu'il y a eu des rébellions sur la frontière. Cela a été cité dans un ouvrage écrit par un certain monsieur Berry. Cet ouvrage a été publié en 1924. On trouve des récits similaires dans d'autres ouvrages aussi. En tout cas, maintenant, je vais conclure cela. En tout cas, je pense qu'en dépit de tout cela, il est important de faire davantage de recherches à ce sujet. Je n'aime pas ce point de vue que j'ai présenté, le fait que Pharaon ait eu la vie sauve. Je ne suis pas intéressé par ce point de vue. Au contraire, je veux présenter le contraire. Ce que je désire, c'est que l'on trouve la momie ou le cadavre de ce pharaon qui s'est affronté à Moïse et qui est mort lors d'une noyade. Et c'est là que l'on pourra dire que son corps a été sauvé, mais que sa vie n'a pas été sauvée. Mais puisque les témoignages prouvent le contraire, puisque tous les témoignages historiques prouvent le contraire, c'est pour cette raison que je n'ai pas d'autre choix que de présenter cette traduction, c'est-à-dire que ce n'est pas le moment de croire maintenant, nous n'allons pas sauver ton âme, certainement nous allons te maintenir en vie. C'est pour cette raison qu'en dépit de la noyade, nous allons te maintenir en vie. Mais même si tu es en vie, la foi ne va pas t'accorder davantage. Voilà le principe éternel présenté par le Saint-Coran, c'est-à-dire que le repentir à l'approche de la mort ne sert à rien. Voilà cette indication évoquée ici. Si Dieu accepte ce repentir, eh bien, cette personne ira au paradis. Voilà la conclusion à tirer. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres possibilités. S'il y a d'autres possibilités, eh bien, montrez cela. Ma défaite ici sera aussi ma victoire. Car moi, je veux montrer le miracle du Coran et je veux protéger le Saint-Coran d'une attaque vicieuse. Et je veux le faire en étant soutenu par le Saint-Coran. Je ne suis pas en train de faire des efforts pour sauver un cadavre. J'ai étudié le Coran et le Coran a présenté des arguments infaillibles et en grand nombre. Et c'est à la lumière du Coran que je vous ai présenté cette histoire, alors que personne n'a présenté l'histoire de Pharaon sous cet angle. Et selon moi, toute l'histoire s'est mise en place comme les pièces d'un puzzle. Si quelqu'un veut prouver le contraire, eh bien ce n'est pas un péché. Faites preuve de taqwa.
Mais maintenant, c'est à vous de prouver cela. Montrez ce pharaon à qui s'applique l'histoire présentée par le Saint-Coran, c'est-à-dire un pharaon qui a vécu si longtemps, à propos de qui tous les historiens sont contraints d'accepter que cet affrontement entre Moïse et Pharaon s'est passé à l'époque de Ramsès. Car ils disent que tous ces faits de l'histoire s'appliquent avec l'époque de Pharaon. Et ils ont eu en tête ce que dit la Bible. On trouve mention de ce pharaon bâtisseur, celui qui avait deux armées, lui qui avait confié cette armée à un autre chef. Il y a d'autres points qui ont été présentés. Et voilà la conclusion que l'on tire. Si on prouve que ce pharaon n'était pas Ramsès, mais quelqu'un d'autre, eh bien, on va devoir prendre ses armées et le placer à l'époque de ce deuxième pharaon. On va devoir montrer qui est Assyria. On va devoir montrer la gloire et les fastes. On va devoir montrer aussi que ce deuxième pharaon a bâti de grandes villes. Et on va devoir aussi montrer les signes de cet affrontement avec les enfants d'Israël. Le fait qu'il y a eu ces signes. Si vous montrez tout cela, eh bien, c'est moi qui vais remporter la victoire. Car la victoire du Coran signifie ma victoire. Et je vais dire que maintenant, on a prouvé ce que dit le Saint-Coran. C'est-à-dire que voilà ce pharaon, et ce pharaon est mort. En tout cas, moi, je vais remporter la victoire. N'ayez pas peur pour moi. Laissez cela entre les mains de Dieu. Présentez votre point de vue et faites des recherches à ce sujet. Je ne peux pas citer quelques commentaires et dire que voilà ce pharaon. Et vous ne pourrez pas appliquer cela à l'époque de Ménépta sans rejeter ce que dit le Saint-Coran. Alors que le Saint-Coran prouve que c'est au début du règne de Ramsès qu'est né Moïse. Et le Saint-Coran déclare qu'il est retourné à l'âge de 40 ans. C'est pour cette raison que sans sortir de cette voie, vous ne pourrez pas dire que cette période s'applique à l'époque de Ménépta. Donc, on va continuer ce sujet après. Je croyais terminer et cela jusqu'à jeudi. Et j'ai oublié si aujourd'hui on est mercredi ou jeudi. Je croyais qu'aujourd'hui nous sommes mercredi et que je vais continuer ce sujet jusqu'à jeudi. Lorsqu'on est épris par quelque chose, l'on oublie certains faits. Et c'est là que l'on réalise ce qu'on en dit, car on se sépare de ce monde lorsqu'on parle. J'ai cité ce verset, Inna fi khalqi samawat. J'ai récité ce verset à plusieurs fois. Mais j'ai cité ce hadith et j'ai oublié le sujet autour. C'est ainsi que l'on est absorbé par un sujet. Et cela prend du temps pour retourner dans ce monde. Tout comme quand on entre dans une chambre noire, les yeux prennent du temps avant de s'adapter. J'en ai fait l'expérience moi-même. Donc, à partir d'après-demain, nous allons commenter de nouveau sur les versets du Saint-Coran. Nous allons commenter sur le dernier verset où nous l'avions laissé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها
يَوْمُ الصَّلَاةِ